C'est une question de faire du rap par amour, tu sais. Dans le sens de faire pour de l'art, tu sais. Créer de quoi de faire, tu sais. Les gens se disent, oh, ouais, il écrit ça, tu sais. Au point de vue de l'œuvre en tant que telle, tu sais. Mais ça, c'est pas mal une, disons, une mentalité au school, tu sais. Parce que dans le temps, c'était ça le rap. Dans le temps, c'était chou de quoi dope. Les gens se disent, oh, tu sais, c'était le dope MCs. Il était connu, tu sais. Mais maintenant, n'importe qui avec du flash autour de lui, tu sais, va pouvoir rien parce que maintenant, c'est une question artistique, c'est une question de business, tu sais. Maintenant, c'est faire la thune, que le truc soit, tu sais, ça se rentabilise, sans pour autant, tu sais, avoir à mettre vraiment de la qualité, tu sais. Fait que, tu sais, la qualité, comme que tu as à ce niveau-là, c'est tout à l'heure, tu sais. Parce que, on est dans une ère très matérialiste aussi, tu sais. Puis quand le hip-hop a commencé dans le temps, c'était du monde, des déshérités, tu sais, le monde qui avait pas de thune, tout ce que je veux dire. Fait que t'avais les figures, tout ça, la rage, la faim, tout ça. Fait que le monde, tu sais, il rappait, tu sais, il rappait encore, tout ça, puis il shootait des trucs, puis c'était pas mal aussi, politique, tout ce que je veux dire, puis conscious. Mais là, tranquillement, la thune a été impliquée là-dedans, tu sais, maintenant c'est un gros mouvement aux États-Unis, tout ça, tu sais, le monde en haut, les cravates, ils ont vu que, tu sais, ça fait des blagues, ils sont mis là-dedans, ils ont jeté de la thune, clac-clac. That's how music should sound. This is a journey into sound.